À Rungis, le pavillon des poissons ouvre ses portes à 2 heures du matin. Il faut être bien réveillé, car c'est en pleine nuit que les ventes se concluent. Jordan Goub, 27 ans, est poissonnier. Il s'approvisionne ici 3 fois par semaine. Ça va ? Ça va, tu vas bien ? Impeccable. Ouais. Bah, je t'ai mis l'espadon. Ouais. Quelle taille il fait ? Dans ce pavillon, la marée, plus de 2000 espèces de poissons et crustacés. Regarde les huiles. Tu vois ? Ah, c'est magnifique. Tu m'as mis combien là-dedans ? Je t'ai mis 2,50. Très équilibré, tu as vu, tu m'as dit. Voilà. Ouais, je sais. Je suis peut-être 2,50 quand tu es en bon. Ok, ça marche. Ouais. Affaire conclue en quelques secondes. Voilà, je vais partir tout de suite. Ok, merci. Merci à toi. Le poissonnier doit se dépêcher, car en moins de 3 heures, les 500 tonnes de poissons du pavillon seront vendues. Jordan recherche de la marchandise haut de gamme. Filet, j'ai ce qu'il faut. Filet, beau turbo. Ça vaut quoi? Ça vient d'où, ça? Ça va être hors d'eau. Comme ce turbo breton pêché la veille. On va faire un petit quelque chose. Messe basse, avant d'annoncer un prix au kilo. En pavé, ça me met la chair après. Hein. Je peux pas. Mets-moi 30 alors. Je t'en ai fait un la semaine dernière. 32. 32. Bon, vas-y, à 32 alors. Il est jeune, on l'aide. On négocie un petit peu, on vient un petit peu l'aider. Arrangis, c'est un peu la tête du client ? Non, du tout. Non, 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 c'est pas la tête du client. Non, c'est les affinités qu'on a avec les clients. C'est un petit combat. On est là, on se combat, on se titille un petit peu. Voilà, on titille un petit peu. C'est un jeu, hein. il y a la confiance, mais il y a aussi le jeu derrière. Voilà, il faut... C'est donnant, on bosse ensemble. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, voilà. Donc voilà. Comme Jordan, seuls les professionnels des métiers de bouche sont autorisés à acheter ici. 25 000 poissonniers, fromagers, restaurateurs ou épiciers puisent chaque jour dans cette corne d'abondance. À 7 km de la capitale, Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Un lieu mythique qui vit la nuit par tous les temps et où travaillent 12 000 personnes. Mamadou, il y a une place là, on va mettre une palette tout de suite là. Hop, hop, hop. Un marché où l'on partage, entre initiés, des codes et des rites. Une tape dans le dos, une poignée de main. Et voilà, monsieur. Et la vente est scellée. Salut à toi. Devenu insalubre et exigu, le marché déménage à la fin des années 60. Aujourd'hui, il réalise un chiffre d'affaires annuel de 9 milliards d'euros. Alors qu'il s'apprête à fêter ses 50 ans, Rungis doit se réinventer pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Ils veulent manger mieux, plus sain, quitte à payer plus cher. À 3h30 du matin, la marée se vide. Les ventes sont terminées. Jordan a dépensé 5000 euros. Pour les fêtes, il a mis la main sur des langoustes et quelques autres raretés. Là, ça, c'est un truc super, ça. Ça, j'adore, ça. Ça, c'est la langoustine vivante. Et ça, il n'y en avait qu'une caisse. Aujourd'hui, ouais, je suis un des seuls à en avoir. Des langoustines encore vivantes, on ne peut en trouver que sur la côte bretonne ou à Rungis. Ça, c'est du gros bouquet breton. Ça vaut 110 euros le kilo en magasin. Et ça, j'ai payé 68. Et ça, j'ai 1 kilo. C'est tout. Pas un gramme de plus. Si les gens trouvent pas ce qu'ils veulent chez moi, ils vont ailleurs. Et avec des produits comme ça, on peut que les satisfaire. Jordan doit se battre pour obtenir ses denrées. D'autant plus que ces dernières années, d'autres acheteurs sont arrivés sur le marché de Rungis. Des étrangers, amateurs de crustacés. Ils ont des belles pinces, on est gâtés. Mais par contre, ça vaut le double du prix. Pourquoi ?
Parce que le marché asiatique rachète tout, voilà. Ils raffolent des fruits de mer qu'on a et nous, on en subit les conséquences. Les plateaux de fruits de mer de cette fin d'année risquent donc d'être vendus 20 à 30% plus cher qu'à Noël dernier. Car comme à la bourse, les prix augmentent en fonction de l'offre et de la demande. À 4h30, Jordan arrive sur le marché de Puteaux. Il a repris cette poissonnerie il y a 5 ans. Pendant 3 heures, il va aménager son étal et mettre en avant les produits qu'il a dégotés à Rungis. Ça tire, ça bouge tout seul, les gens prennent peur, c'est magnifique. Il y a 2 autres poissonneries sur ce marché. Mais Jordan est le seul à proposer des produits vivants, comme la langouste ou les tourteaux. Et dès 8 heures, à l'ouverture, cela fait la différence. Oui, 160 tourons. Elle est bien, bien vivante, elle est superbe. C'est bon ? Super. Et régalez-vous bien alors. S'il en reste, vous m'appelez. Hein. Depuis que Jordan a repris l'affaire et opté pour le haut de gamme... Merci beaucoup, au revoir. Les ventes ont augmenté de 25%. À Rungis, dans le secteur de la viande... Dédé, c'est prêt les carrés ? Ouais, c'est prêt. T'as fait les poitrines d'agneau ? Ouais. Un grossiste a lui aussi tout misé sur la qualité. Francis Faucher, 58 ans, dirige l'une des 12 entreprises du pavillon. Cet expert choisit ses veaux, vaches, cochons, un par un, chez les meilleurs éleveurs. Welcome. Voilà, The Meat Paradise. Oh. Le paradis de la viande, que des touristes visitent comme un musée. Ces Coréens en vacances voulaient découvrir Rungis. Leur guide fait toujours un crochet par le stand de Francis. Un éleveur sort 10 animaux comme ça par an. On est chez Dior, on est vraiment dans du cousu humain. C'est vraiment un travail très exceptionnel. Merci. Chaque nuit, le grossiste vend 40 tonnes de viande à des bouchers installés partout en France et en Europe. Francis était prédestiné à créer cette affaire il y a 22 ans. Des grands-parents marchands de bestiaux, des maquignons, et un père boucher à Tours. Bonjour Thomas. T'es bien, bonjour monsieur Valérie. Voilà. Allez hop, on y va. Valérie Cos et son fils Thomas sont deux de ses plus gros clients. Regarde, t'as vu ? Regarde. C'est propre, ça. C'est bien. Persillé, tout nickel. Couleur, tout impeccable. Donc là, on est dans du pur limousin. Bah, ça me paraît pas trop mal. Ah ben là, on est dans du pur. Valérie possède une boucherie dans le 11e arrondissement de Paris. Son fils, dans le 17e. Il s'adresse à une clientèle plutôt aisée, dont le prix n'est pas forcément le premier critère d'achat. On a fabriqué des viandes à pas cher. Il y a eu l'époque de la malbouffe, on va dire. Maintenant, les clients recherchent la qualité, du haut de gamme. Se faire plaisir. Avant tout, se faire plaisir. Débouché avec cette exigence, Francis en reçoit de plus en plus. Alors que les ventes de viande sont en baisse à Rungis, la 404. Son chiffre d'affaires a progressé de 15% l'an dernier. Et il veut aller encore plus loin. Maintenant, c'est le boulot à Caroline, maintenant. Caroline, sa fille, a 25 ans. Diplômée d'une école de commerce, elle travaillait jusqu'à peu dans le monde du luxe. Le persillage ne ressort pas du tout. Il y a 2 ans, elle rejoint l'entreprise familiale pour exploiter un nouveau filon. On va voir ici des produits d'exception. Le top du top, l'extra de l'extra. Elle vend de la viande de luxe, provenant du monde entier. Weigu japonais à 300 euros le kilo. Ou Lomo Alto argentin. On vient de rentrer encore un nouveau produit, donc qui nous provient directement d'Argentine. D'accord. Voilà. Donc, l'Argentine étant très connue quand même pour ses produits extraordinaires, c'est quand même, je pense, une des meilleures viandes qui se fait dans le monde. Parce que, encore une fois, c'est des animaux qui vivent dehors toute l'année, qui sont dans des pâturages, qui sont vraiment avec de l'herbe adaptée, très grasse, qui permet de faire encore une fois une viande qui est très bonne à manger. Là, il faut vraiment vendre l'origine et puis tout, parce que c'est vraiment... De toute façon, on le voit même à la couleur aussi du gras.
On va en goûter un petit bout, on va en manger un petit bout. Allez, youpi. Allez, casse-croûte, on y va. Pour les convaincre, petite dégustation. Elle se déroule à La Loyau, le restaurant situé à l'intérieur du pavillon de la viande. Salut, les gars. Allez. Je vais manger un bout de viande, c'est le moment jamais. Ah bon, c'est le moment. Messieurs, dames, bonjour. Comment toi ? 7 h du matin, c'est l'heure de pointe. Les travailleurs de Rungis se réchauffent au ballon de rouge, reprennent des forces avec une langue de bœuf ou un plat de tripes. Chef cuistot ! Il n'y a plus de cuistot dans la... Ah, ben le voilà. Bon, dis donc, tu vas nous faire cuire ça ? Ouais. Bien, nickel, comme d'hab. Le chef a l'habitude de rendre service aux grossistes. Tous sont de fidèles clients. Messieurs, dames, pardon. Là, c'est pas pour rire. Donc, c'est la bonne franquette. Hein. Chacun prend un petit bout. Ça a l'air cuit à la perfection. Cette viande argentine vaut deux fois plus cher qu'une entrecôte ordinaire. On va essayer avec un carton pour commencer. C'est bien, à l'approche de Noël et des fêtes, ça permet d'avoir un nouveau produit. Valérie et Thomas vont tester cette viande de luxe dans leur boucherie pendant les fêtes. Les deux bouchers ont acheté cette nuit une tonne de viande pour 5000 euros. En coulisses, les coupeurs préparent leurs commandes. 1, 2, 3, 4, 5. Si les métiers de la boucherie manquent de main-d'œuvre, à Rungis, c'est pire. On ne se bouscule pas pour travailler ici, dans le froid, de nuit. Ces coupeurs, la plupart originaires du Mali, sont payés 2000 euros net par mois. À la fin de leur service, ils ont rendez-vous à l'étage. Allez, hop, on y va. Bravo. Bon courage. Ça va, bébé. Boubou. C'est cool. Modibo. En avant. Bon courage pour le cours. Merci. C'est la femme de Francis, directrice générale de l'entreprise, qui les accueille. Comme tous les lundis et mercredis matin, ils ont cours de français. Alors, on va lire une petite conversation. Allô, bonjour. Mm-hmm. Cabine. Cabinet. Cabinet des docteurs Dupont. Dupont. Certains, comme Sekou et Dédé, sont en France depuis plus de 10 ans. Mais aucun ne maîtrise encore vraiment la langue. Police. Cette formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. 19 000 euros pour l'année. Il faut qu'ils sachent lire le nom des clients, il faut qu'ils sachent lire les morceaux. Et il faut évoluer. Aujourd'hui, c'est des gens, ils ont des enfants, ils naissent en France, leurs enfants savent mieux lire qu'eux. C'est pénalisant pour eux. Quelque part, c'est même frustrant. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué d'autre ? Pour compenser la dureté du travail et cette vie en décalé, les 12 000 salariés peuvent compter sur l'esprit de famille qui règne ici. Jamais une occasion de faire ripaille n'est perdue. Ce soir, on célèbre le Beaujolais nouveau. C'est bon ? Ça vous plaît ? À quelques encablures, une autre cérémonie, plus rablaisienne. Je déclare donc ouvert ce 19e chapitre de la confrérie de la tête de veau de Rungis Paris. 1, 2, nous on aime la tripa, boire et bien manger. La confrérie de la tête de veau de Rungis intronise Sébastien Chabal, international de rugby, et Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Elysée, pour qu'ils portent haut cette spécialité culinaire bien française. Ça représente quoi la tête de veau pour vous ? Des souvenirs d'enfance, voilà. Et oui, parce que je suis. On est tous originaires de la terre et mon grand-père qui était maquignon la faisait très bien. Donc, ça représente. Cet univers me parle vraiment. Je me sens bien ici. Et enfin, une atmosphère qui est de groupe, d'équipe, de cohésion. On sert de la tête de veau à l'Elysée. Qu'est-ce qu'il en pense, le président de la tête de veau ? Ça faudra lui demander. Vous savez que je parle jamais des goûts des présidents.
Au même moment, certains s'affairent au cœur du marché. Des manutentionnaires attendent le train, parce qu'à Rungis, il y a même une gare. Chaque nuit, 1000 tonnes de fruits et légumes en provenance de l'Europe du Sud sont livrées par le rail. Les primeurs, le secteur le plus important du marché. Il est resté là-bas, le camion ? C'est ça ? Mais tu l'as... Il est dehors ? Justement, en travers, là. Alain Cohen travaille depuis 25 ans pour les vergers de Saint-Eustache. Eh, mais c'est déjà chargé, là. Ça va où ? Ça va à l'Élysée, là. Qui est-ce qui prend la présidence, là, alors ? La présidence ? Ouais. Moi, j'ai pas pris la présidence. Alain et ses livreurs servent le palais de l'Élysée, mais aussi la plupart des restaurants étoilés. En quelques heures, chaque nuit, ils préparent 7000 colis de fruits et légumes pour des chefs intransigeants. Ils nous arrachent les yeux, ces plantes. Parce qu'une fois, que la marchandise est chez eux, si c'est pas la bonne, ils peuvent pas faire leur plat. Dans tout ce métier de bouche, qui commence dans les champs et qui finit dans leurs assiettes, s'il y a une étape qui foire, tout foire. Si les grands noms de la gastronomie font appel à lui, c'est pour la variété et la diversité de ses produits. Alors ça, c'est de la carotte, ça. Dans cet entrepôt, il y a plus de 3000 références. On va se prendre une botte de chaque. Dont la moitié est introuvable ailleurs. Ça, c'est un coffre au trésor, ici. C'est le coffre de la Banque de France. Ça, c'est la verveine de Bastelica. Et moi, je me mets à genoux devant ça, quoi. Ça, c'est un shoot, ça. Alors, regardez, ça, c'est de la fleur de concombre. Et ça, ça se mange en entier, à l'apéro. Quand t'en manges un, t'en manges 2, 3, 5, 12. Feuilles de capucine. C'est du velours, un peu anisé. Voilà, c'est le pastis sans l'alcool, presque. Donc, pour les points de permis, c'est une tuerie, ça. Des trouvailles que les grands chefs n'ont plus le temps de venir découvrir à Rungis. Alain a eu l'idée de remettre au goût du jour les camionnettes d'antan qui vendaient de village en village. Avec son véhicule, chargé de ses meilleurs produits, il part chaque matin faire sa tournée. Pourquoi ? La première année, j'étais complètement largué. J'étais largué et en plus, j'avais un peu la trouille quand même de voir tous ces bahuts qui sortaient dans tous les sens. Alain Cohen a eu 1000 vies avant de travailler ici. Il a été architecte pendant 15 ans. Il a même été acteur. Enfant, il a joué dans ce film aux côtés de Michel Simon. C'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il arrive à Rungis, par hasard, pour un remplacement. À la fin de la journée, je me suis dit, mais c'est pas vrai qu'on prend de l'argent pour faire ça, quoi. On est payé pour faire le marché, se balader, aller voir des restaurants qui t'offrent le café, qui sont émerveillés des produits que tu leur amènes. Et puis le marché, c'est fascinant. Mais alors, en faire son métier et vivre ça tous les jours de sa vie, c'est une bénédiction. Moi, les premières années, on travaille dur quand même, mais moi, j'avais l'impression d'être en vacances. 8h du matin, premier arrêt dans le 14e arrondissement de Paris. Le restaurant L'Assiette. Bonjour Alain. T'es à l'heure pour une fois, c'est magnifique. Le chef David Radgeber a travaillé avec Alain Ducasse pendant 14 ans. Il a notamment été sous-chef au Plaza Athénée. Oh là 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 là. Alors, mon petit chéri, déjà, un truc que t'as pas encore goûté. Tiens, goûte ça. Oh là là. Oh ! Alain Cohen arrive encore à surprendre les chefs. Il est là. Ça, c'est magique. Parce qu'on dirait un oignon, et c'est pas un oignon. C'est de l'ail oignon. Et il n'y a pas de gousse à l'intérieur, regarde ça. Mais ça... C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc. Et alors, sans, tu vois, la puissance. Ah ouais. Mais là, ouais. C'est incroyable, non ? Ça, c'est le cousin du red meat, c'est le radis blue meat. C'est l'ami des chefs, c'est la seule personne qui est capable aujourd'hui de rentrer dans une cuisine en plein service sans se faire virer. Voilà. Et tous les chefs ils sont le connaissent. Et tous les chefs veulent l'avoir, Alain Cohen. Je te prends l'autre.
Le chef n'achète que de toutes petites quantités, celles dont il a besoin pour le service de ce midi et du soir. T'as du monde à midi, hein ? Oui, une trentaine à peu près. Vas-y. La spécialité de David, c'est le lièvre à la royale. Ah non, il m'a fait découvrir un truc, mais c'est taré, quoi. Sentez-moi ça. Oignon, ail en même temps. Tiens. Pique ! Les légumes d'Alain l'inspirent. Il imagine une cassolette à sa façon. Écoute-moi ça, ça chante. Écoute bien. Je déglace au bouillon de poule, je cuis à couvert. Le légume cuit dans son bouillon, la cuisson sera parfaite. Je vais même rajouter un peu de vinaigre après. Pourquoi ? Parce que le vinaigre, ça pète un peu le gras, ça donne un peu de peps. Bam ! Et là, au dernier moment, un petit trait d'huile d'olive comme ça. À table, quoi. Moi, j'arrête la tournée. Et on fait du cuit, du cru, du moelleux, du croustillant, du croquant. Magnifique, chef. Avec sa petite camionnette, Alain rend les chefs addicts. Il ne facture pas son service de livraison, mais ses légumes sont vendus 10 à 20% plus cher que chez les autres grossistes. JP, tout est parti ? Très bien, oui, tout est parti. Pour nous, c'est nickel. Tout a été goûté et approuvé par Antoine Boucomont. Avec son air de prof un peu austère, cet ancien boucher dirige ce supermarché hors normes depuis 20 ans. Il reçoit chaque jour des producteurs, des patrons de PME. C'est un fruit. Alors, ou... c'est le bel. Bel. B-A-E-L. J'ai jamais vu ce fruit-là. C'est un fruit séché, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tous ne rêvent que d'une chose, qu'Antoine vende leurs produits. En termes d'aspect... Au suivant. Bonjour Antoine, ça va bien et vous ? Bon, on passe à la cuisine pour voir ce que vous avez. Parfait, merci. Le grand oral pour Muriel Grégoire, c'est maintenant. Cette jeune cadre vient de reprendre une conserverie d'escargots de Bourgogne, dans le Doubs. Nous nettoyons nos coquilles. Et je vous ai ramené donc 3 boîtes. Antoine et son adjoint Michel vont goûter ces gastéropodes pour la première fois. Les escargots de Bourgogne que vous pouvez trouver en France aujourd'hui sont importés en chair congelée. Donc tous les produits que nous trouvons... C'est-à-dire que nous sommes la dernière conserverie à travailler de manière totalement artisanale. Les escargots arrivent vivants. Si Muriel est convaincante, elle peut en quelques minutes passer d'un marché local, celui de la Franche-Comté, à un marché national. Je ne garantis rien à ce stade, il faut d'abord que je goûte. Il faut qu'on soit vraiment ultra convaincu de l'intérêt du produit pour l'ajouter à notre gamme. Voilà. C'est très très moelleux. Très très bien. C'est quand même incroyable de pouvoir trouver bon un escargot qui sort de la boîte. Quoi. C'est... Merci. On ne peut pas l'élever, l'escargot. Antoine reçoit 500 producteurs chaque année. Bravo, c'est une belle réussite. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Il n'en retient qu'un sur 10. Muriel a gagné son pari. On attend la proposition commerciale, et puis, mais vraiment, bravo, très beau produit. Je vous accompagne. Merci. Pour Noël, Antoine a également besoin de foie gras. Il en vend 3 tonnes chaque fin d'année, mais il lui manque encore une spécialité haut de gamme, à la truffe. Il ne va pas hésiter à partir à sa recherche. Les premiers chênes truffiers, vous les avez plantés il y a combien de temps ? Les premiers chênes, on les a plantés il y a 30 ans. Ah oui. Ils ont commencé à donner au bout de 10-15 ans. Antoine a rendez-vous dans le Lot avec Pascal Duller, au domaine de Saint-Géry. Cette agricultrice a planté 12 hectares de chênes truffiers. Et là, on va chercher la truffe. Regarde, elle donne sa patte toujours. On y va ? Allez, on y va, ma jolie, on cherche. Il a fallu 4 ans pour que Freya devienne une experte du cavage.
la recherche de truffes. Pour lui apprendre à reconnaître l'odeur du champignon, ses maîtres ont frotté régulièrement des truffes sur les mamelles de sa mère. Hop. Attends, tu m'attends, ma jolie. Ah, elle est capable de trouver une truffe de la taille d'un petit pois. Oui. Comme une énorme truffe. Regarde, ça, c'est une jolie truffe. C'est bien, ma belle. Cette mélanosporum, la truffe noire, se vend 1000 euros le kilo. Antoine veut aussi découvrir comment ce produit de luxe est utilisé avec le foie gras. Pascal va lui faire goûter la recette qu'elle a mise au point avec Patrick, son mari. Donc, foie gras au sel, maturé 15 jours, et à l'intérieur, on y met 14% de truffe et une pointe d'armagnac. Ce lobe entier de foie de canard n'est cuit qu'au sel pour conserver l'intégralité des saveurs. On a vraiment le parfum de la truffe. Le couple vend ce produit 600 euros le kilo. Ça, c'est pas du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. C'est quelque chose d'unique. Non, je suis vraiment scotché. Quoi. Très impressionné. Je suis heureux de t'impressionner. Je suis fier de t'impressionner. Hein. C'est pas la première fois. Tu pourrais m'en fournir combien à peu près pour les fêtes de celui-ci, là? Pas beaucoup. Pas beaucoup. 3-4 kilos. 3-4 kilos. Donc il faut que je réserve ça à quelques clients. Tout à fait. Triés sur le volet, quoi. Exactement. D'accord. Parce que d'abord. Antoine aurait voulu en ramener beaucoup plus à Rungis, mais tout est déjà vendu. Il en a réservé une dizaine de kilos pour les fêtes de l'an prochain.